Bonjour tout le monde, non pas monsieur Belkis Gaspar et c'est un plaisir pour moi pour m'aujourd'hui à dans l'émission ça que Ticket Magazine pote pour. M'a bien pour me présenter au livre aujourd'hui, nous pral parler de livre et m'a invité vraiment spécial avec aujourd'hui. Aujourd'hui elle s'est invité mais des fois nous connons elle et c'est lui qui continue dans notre place moi comme animatrice. Mais aujourd'hui, c'est elle, c'est notre invitée, c'est une Ticket, une rédactrice de Ticket. Vanessa Dalzon, bonsoir. Bonsoir Belkis, bonsoir à tout le monde qui a suivi l'émission aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Je vous dis là, de l'autre côté du canapé. Oui, on a l'autre bon, bon. Aujourd'hui, je suis l'invitée et ça fait un plaisir pour moi, quand même, même si c'est dans l'autre contexte. Alors, Vanessa, aujourd'hui, on est là pour parler nous de livre Opération Rupture qui fait sortir. Que 20 signatures en fait jeudi qui c'est 14 novembre dans Vivano. Avant nous parler de Opération Rupture qui c'est premier roman Vanessa et présente-toi tout. Et même si un pile monde qui connaît l'étiquette, il y a toujours un nom ça, un pile monde dans milieu évangélique là, surtout qu'on Vanessa Dalzon qui est très active dans milieu ça. Mais présente-toi tout à public là et dis qui est souillé et surtout parlez-nous de histoire avec écriture. Quand et comment ça a commencé? Moi, c'est Vanessa Dalzon, moi, c'est chrétienne, et j'ai 23 ans. Et j'en dis là, moi, dans le milieu évangélique, là, assez active, parce que j'ai commencé à écrire depuis 2016, et j'ai commencé à faire reportage pour Ticket et pour Cause Chrétien pendant un temps. Et ensuite, j'ai fait des portraits artistiques, parler de groupes, donc c'est surtout dans le registre que mon te connaît. Année ça, j'ai commencé l'autre expérience avec Balistrade, qui est un média en ligne. Dans Balistrade, nous avons publié des nouvelles. Et c'est à partir de nouvelles que l'opération Rupture est venue. L'opération Rupture, c'était avant tout une nouvelle. Et qui était demandé suite, parce que tout le monde a dit, mais pourquoi ça ne va pas mettre en suite? Et c'est comme ça, il y a 22 épisodes qui viennent après, qui était première partie de l'opération Rupture, qui était publié sous Balistrade, qui vient mener au roman ensuite. Mais l'histoire avec l'écriture a commencé depuis l'école. J'ai commencé à écrire 4 expressions en secondaire, en troisième, des directrices rédaction, radio, l'école. Donc c'est là que j'ai commencé à écrire tout et n'importe quoi à un certain moment. Mais surtout pour la radio. On sait que le texte n'est pas souhaité que j'aime publier, Kounia. Des textes, des histoires sur quoi? Est-ce que c'est sur des activités qui te conviennent à l'école là, ou du moins c'est des histoires que tu as inventées ou appelées imaginer. Oui, tu as gagné sous. Oui, tu as gagné sous. Oui, tu as gagné sous activité l'école là, mais tu as gagné histoire inventée. Non, pour la radio c'était autre chose. Pour la radio, tu as gagné supervision, c'est-à-dire même si tu as écrit ça, en gros c'est moi que tu as écrit pour radio, mais tu as gagné supervision professeur français, tu as gagné supervision l'autre monde qui était dans staff là. Mais le gros travail là, c'était nous qui avons fait. Mais l'autre texte, c'était des bails personnels. Je commence à écrire pour radio. Je me dis, pour qui ça me pas essayer l'autre texte, l'autre sujet. Et puis c'est là que je commence à écrire nouvelles. Mais qui à l'époque pas vraiment structuré. Je me dis, je te semble la nouvelle, mais je n'ai pas de copine ça. Donc c'était là ça a commencé véritablement. Là, c'était sur le bon d'école. Oui, je t'ai cherché, voir, je t'ai tracé, voir un tout petit peu. Tracé, voir. Ok, Vanessa, mais où véritablement commencé comme journaliste avec Ticket, où tu as commencé à faire reportage et sur toute activité qu'a fait dans le milieu évangélique, là, surtout, et présenter artistes évangéliques, mettre un pile artistes évangéliques sur les feux des projecteurs, Vanessa. Et nous te connaissons sous chapeau, ça, justement, oui. Où tu as écrit, pour Ticket, Cause Chrétien. C'était le milieu évangélique, c'était des textes journalistiques, reportages, etc. Mais là, Kounia, nous, où vini avec un autre style d'écriture, ou embrasser un autre style d'écriture qui c'est roman. Et à partir de quel moment que vous décidez d'embrasser ce style ça tout, qui côté déclic là, ça dit? C'est vrai qu'on dit que vous devinez même Balistrade, oui. Mais vous avez choisi Baronet et fait même travail là dans Balistrade. Mais quand ça déclic ça sorti pour t'aller écrire une nouvelle, surtout c'est nouveau pour Vanessa. Normalement, c'est pas sous chapeau ça que vous êtes connu. Alors, déjà, comme moi j'étais dans Ticket avec Balistrade, j'ai déjà fait reportage sur milieu, j'ai déjà fait portrait.
dans balustrade c'était tout un autre registre que eux-mêmes yo t'ai la donne donc moi rentrer dans canva me dit pourquoi pas pour que ça me pas essayer un autre bagaille et me t'ai gagné une série de nouvelles tout qui était déjà écrit mais qui peut que j'aime publier que me t'ai commencé publier sur balustrade et me devine à écrire l'autre c'est comme si me devine reprendre ça me t'ai commencé l'école là mais qu'on y avec un plume qui plus mature puisque entre-temps j'ai expérience tikeya j'ai l'autre lecture. Et donc, tu as grandi également. Oui, j'ai grandi aussi. Et tu as beaucoup lu. Exactement. Ou lu plus, etc. Ou découvrir l'autre bagaille. Oui, donc forcément, plus je change, il y a des éléments qui changent. Je viens comprendre plus ce qui est la nouvelle là et tout. Donc, pour corriger, ça me fait faire. Et c'est là l'opération où tu es venu. Donc, est-ce que je connais à quel moment exactement déclic là, je ne peux pas dire, mais qui le. C'est juste que. Il y a eu l'urgence ou comment c'est écrit ou comment c'est écrit. Pour automatiquement comment c'est écrit, forcément, on peut essayer tout style. Donc, j'ai essayé la nouvelle, ça a marché et nouvelle la vie de mener opération rupture. C'était juste un cheminement. C'est pas comme tu as décidé un beau jour de faire ça. Alors, c'était un rêve d'enfant peut-être. On l'aime, tu es capable de bien livre, mais c'était jamais un bagage, tu es sûr que tu as fait à un moment donné dans la vie. Mais c'est venu progressivement. M'a fait que boutiquer, j'écris aussi des nouvelles et puis bon, voilà, pourquoi pas le roman? Donc, tu as dit pourquoi pas le roman. Et donc, ou là, ou prêt pour embrasser différents styles. Donc, à l'avenir, nous avons Vanessa qui a publié plus roman, l'autre livre, etc. Différents styles d'écriture, à chaque fois, toujours essayer l'autre bagaille. Oui, oui, je suis prêt pour m'essayer. Déjà, Opération Rupture, c'est un roman. Je suis sûr que je ne peux pas faire date, même si je dans quelques temps, je publie un recueil de nouvelles. Nouvelle ça que m'était commencé d'ailleurs c'est avec yo que ça t'est commencé c'était peut-être yo que t'es doué premier mais opération rupture par rapport avec le public que t'es gagné dans balustrade et que mon yo t'es souhaité gon suite tout donc opération rupture vient sortir en premier mais le recueil de nouvelles quand même ça va sortir. Ah donc c'est parti de temps en temps n'a gagné Vanessa en signature. Oui, et de temps en temps n'a pour se voir là tout pour venir présenter au roman oui au recueil de nouvelles oui dis pourquoi pas différents styles d'écriture. Oui. OK Vanessa opération rupture que vous signez pour la première fois demain et qui a jeudi dans Vivano. Et en parlez-nous de livre ça, présentez-nous Opération Rupture. Pourquoi une telle histoire? Pourquoi une histoire qui parle de rupture, justement? Opération Rupture, comme le nom l'indique, c'est une histoire de rupture. Ça commence par une rupture, en fait. Le personnage principal, Nessie, qui a gagné en relation avec un jeune homme qui est le Ryan. Et puis, pour une raison, ça a été fini. Et dans Nessie, ça a été un bon temps pour lui, il a guéri. Et puis, un beau jour, il a rencontré Ryan. Il rendit compte en réalité que son opération rupture n'avait jamais commencé. Donc, c'est tout ce qui a occasionné l'histoire. Et pour aller l'autre protagoniste, surtout Ryan a voulu retourner dans Vinessi, il y a l'autre monde qui a voulu cotiser Nessie. Donc, toute intrigue là, c'est autour de personnages. Est-ce que Nessie a finalement retourné à Ryan ou est-ce que la font l'autre choix? Donc, pour les gens qui étaient Lille déjà. Oui, qui étaient commencé Lille à travers balustrade. Oui, c'est ça. Ils ont pu le découvrir finalement à qui est Nessie a prêté. Est-ce que la porte est en Ryan? Est-ce que Marvin, qui était venu paraître en moment en ville, est-ce que la prêté à elle? Donc, c'est ça qui est surtout suspense là pour suite histoire. Là. Ah, donc suite là, pour que j'aime publier, c'est dans le livre là, que vous allez découvrir. Suite là. Opération. Mais là, justement, pour que j'aime dire, pour qui ça est un roman sur rupture, justement. Pourquoi la rupture? Est-ce que tu as une histoire personnelle avec les ruptures? Maman m'a regardé la vidéo. Parce que la rupture fait partie de la vie, ça arrive nous dans tout type de relation, même dans relation amicale. Quel que soit genre rupture, pas jamais facile pour digérer, pas jamais facile pour sortir nos relations de gain que t'es amicale ou amoureuse. Et nous avons connu ça. Quel que soit type de monde, on a connu la rupture à un moment. Donc c'est comment chaque personnage réagit. On a déjà rompu avec une bonne amie, un copain, je ne sais pas. Oui. Même la famille, parfois. Mais m'a posé une petite question, même si maman a regardé. Est-ce que c'est une histoire personnelle ou c'est de là? Je me dis si ce n'est pas une histoire personnelle, parce que j'aime moins les si à boum. Non, mais j'en ai si à boum, oui. Pour savoir, en tout cas, il y a notre Marvin. C'est fiction pure. Oui, c'est de la. Alors, il y a deux scènes qui sortent peut-être de BMT Live ou de BMT Vive. Gonsel m'a été écrit. Vous voulez dire, dans l'entourage ou dans mon équipe, dans la famille, aux amis. Justement. Gonsel,
C'est typiquement une histoire aux amis t'as pour raconter. Moi, quand elle fille rencontrée et puis pour la bzou, mais elle était sortie aménagée, mais ça qui t'est passé. Et puis me dit, oh, mais c'est intéressant pour me t'as mettre dans le livre là. Donc il la donne et bon, comme il était parmi les premiers monde qui était livre bien avant le sortir, il dit, oh, m'quoi ça. Ok. Donc il y a des scènes qui étaient vraiment déroulées qui dans l'histoire là, mais c'est pas une histoire réelle. C'est pas une biographie. On va raconter l'histoire de ça. On va découvrir dans le prochain roman. Non, mais l'avantage, c'est que personne ne connaît que c'est l'histoire. Oui, pas les noms vont changer. Oui. Bien entendu. Ok, Opération Rupture, c'est combien de chapitres? Comment le livre est structuré? Opération Rupture, c'est deux parties. La première qui a déjà été publiée, qui c'est 22 épisodes. Et la suite, c'est 20 épisodes. Parce que c'est le même schéma, même quand le livre a été publié la première fois. Donc, première partie qui gagne 22 et deuxième nan, qui gagne 20. Donc, le nous fait le même badjam pour nos mathématiques, ça t'a fait 42. Mais 42 chapitres, c'est oui. Beaucoup de chapitres, mais mon livre là. Oui, mais qui n'est pas très long. Okay. Oui, comme lui, tout dans même langue qui était mon qui pas très long, parce que ce chapitre, c'est une ou deux pages au plus. Donc, ça vient faire un roman de 144 pages en tout. Mais il est facile pour lire, quand il y a une affiche qui est publiée pour le livre là, lecture là prend, si on lit d'une seule traite, lecture là prend en moyenne 2 heures et 3 minutes. Donc, comment faire évaluer tout ça? C'est en fonction du nombre de mots, hein, et il y a des sites, des logiciels qui tout font en fonction du nombre de mots, et tout zoom, mais combien de temps ça prend, donc ça prend 2 heures et 3 minutes. Ok, la 20 signature, c'est à Vivano jeudi 14 novembre. Oui. Oui, c'est à Vivano, jeudi 14 novembre à 3h. C'est de 3h à 6h. C'est on a commencé vraiment à 3h. Oui, on a commencé vraiment à 3h et qu'est-ce qu'il y a dans la programmation? Il y aura une animation musicale avec Tonic Jazz. Tonic, c'est un groupe qui a déjà joué au festival international plusieurs fois. La donne gagne un pile musicien qui jouait dans Jim La Gospel qui c'est choral moi. Donc, il y a juste une présentation que c'est membre de Jim La Gospel. Okay. Oui, bon, parce que surtout après ça, il y a un rapport avec l'écriture. Oui, moi, c'est membre de Jim La Gospel. Donc, musicien au demain, si Dieu veut, à plat, pour jouer comme musicien tonique, parce que même toujours dans tonic jazz. Et il y a un tout des musicien. Non, ça, c'est moi qui arrive. Je suis joué au piano en époque, mais là, souvent, des mois qu'au piano, je ne pas songer. Mais j'ai joué au piano à une période. Mais là, surtout, je chante avec ma chorale. Je ne joue pas vraiment jouer instrument. Et en dehors de Tonic, j'ai gagné un ancien élève 4 Pressoir, deux anciens élèves 4 Pressoir qui étaient dans Jazz 4 Pressoir qui jouaient plusieurs fois, Ticket parlé de plusieurs fois. Cap là, Cap joue accompagné de frères qui lui-même toujours l'école là, qui est dans Jazz. Ton frère donc, est musicien alors? Oui, j'ai deux frères musiciens. C'est Youn qui a joué le Jibano. Et une chanteuse à la maison. Et une chanteuse à la maison. Donc, nous imaginons l'ambiance là et papa me tout qui remet chanter, même s'il n'est pas fin forme, mais j'espère pas qu'il me dit ça. Mais, donc, toujours de musique, toujours de ambiance. Mais demain, c'est une frère mieux qui a joué batterie. L'autre là, lui-même, il joue trompette, mais il n'est pas joué demain. Donc, voilà. Pour l'ambiance, c'est ça. Et apparemment, il y a un ami qui est danseuse qui décidait d'offrir une chorégraphie tout. Qui pas de prévoir dans l'affiche là, mais bon, la ticket ou bien primeur là, il y aura une chorégraphie qui a rapport à l'histoire, Opération Rupture, donc ils vont montrer les personnages, Ryan, Marvin, Nissi. Est-ce que la pour compter sous scène ou du moins c'est un troupe qui a là pour ils seront trois, comme pour les personnages, comme pour les protagonistes, ils seront trois sur scène. Okay. Oui. Ah, donc dans le livre, il y a trois protagonistes. Oui. Okay. Ouais, ça sent bien une blague comme ça. Bah, tout le détail sur votre signature, Vanessa, on parle de mon nom. À combien de livres à pied dans votre signature? Oh, c'est 650 gouttes seulement. Seulement ça, elle va. Est-ce que c'est pour cette signature que il y a 650 gouttes ou du moins c'est longue période? La prête est pris ça pour toute votre signature parce qu'il va avoir une série. Demain, c'est la première. Mm-hmm. Pas qu'à vraiment bah, date l'autre. Mais bon, suivre pas jour forcément la sortie. Mais qui côté pour suivre, pour au courant, si on m'en raté, pour mieux, qui côté le cas suivre pour louer, prochaine date que vous avez signé, Opération Rupture, et qui côté? Sur les réseaux sociaux, mais je suis sur tous les réseaux, SMK dit tout. Mais en tout cas, les plus connus, Facebook, Instagram et Twitter, Vanessa Dalzon. Et donc, Je lancerai les nouvelles dates parce que là, vraiment beaucoup de travail. Pour l'instant, c'est sur demain hein, et focus là, demain à Vivano. Mais après l'autre, pour votre signature, elle a prêté 650 gouttes. Mais après,
livre là disponible en librairie, peut-être que dans la librairie la plus cher que 650 gourdes. Mais pour les vintignatures, c'est 650 gourdes. Et OK, pour les vintignatures, mais l'hypoco disponible dans la librairie ou bien l'hypoco disponible? L'hypoco disponible dans la librairie. Parce que faut que nous finissions de faire vintignatures avant. Une série de zones, même prévoir faire en province, parce que il y a une province spécialement qui était souhaité que je vienne. Donc, c'est vraiment après tourner ça et que le livre-là pour être disponible en librairie pour l'autre monde qui peut que j'en prenne dans toute séance qui était gagnée. Parce que je prévois faire plusieurs pour l'année. Ok, Vanessa. Et je me souviens que tu as une annonce que tu as fait sur par jour, parce que moi, je suis vous. Et que le monde a recommandé. Est-ce que ça est toujours là? Ou qu'a précommandé opération rupture et ensuite pour moun à l'étranger tout n'était wagon oui il est disponible en ligne oui alors ba nous plus de détails sur ça yo. Alors pour précommande là c'était là avant votre signature là c'est lui même était à 600 gourdes pour moun qui précommandait il déjà gon quarantaine précommande gain moun yo te payé là 600 gourdes et eux même il y a pour se faire un cadeau demain si tu veux un cadeau personnalisé j'en t'ai écrit sur affiche là. Et pour les gens qui sont à l'étranger, comme il y a plusieurs gens qui te disent bon, yo pas ka acheter puisque yo là-bas, il pas grand rien dit que on va aller vraiment dans plusieurs pays pour l'instant. Donc on avait mis en ligne et pas rien lien là directement que me ca citer mais c'est disponible en ligne. Il est disponible sur page moi, sur Facebook, Vanessa Dalzon, il est disponible tout sur Instagram, Vanessa Dalzon. Donc à partir de lien, il y a qu'à commander facilement. Oui. D'ailleurs, lien il permet tout. Et il y a livré au lit. Il y a trois options. Il y a option pour livrer au lit ou payer yo imprimer et yo livrer la caillou. Il y a une version PDF là tout si vous voulez juste gagner une version PDF là, yo permet tout prendre et gagner tout ou ka gagner sous téléphone sous Amazon Kindle ou ka gagner kembe sous téléphone sans que pas forcément imprimer. Mais si tu veux avoir l'ouvrage en soi ou ka payer tout, il y a imprimer et y a voyer la caillou. D'accord, ça c'est au bail détail pour monde qui est à l'étranger. Comment on peut commander? Est-ce que pas des monde ici tout qui a commandé encore? Qui a commandé tout à distance, si on pas qu'à déplacer ou bien si on en province, même si on dit en province. Oui, oui, il y a quelques provinces, quelques provinces. Déplacement un peu vraiment pas même un peu très difficile en ce moment. Oui. Et, si on est-ce qu'on pas qu'à livrer dans province tout? Et me penser que gagner option en tout par rapport à lien, quel que soit côté. Sauf que par rapport à la province, je pense que ce n'est pas exactement la caille. Il y a un baoul, un point de repère, mais pas exactement la caille. Mais si on province, on peut prendre tout en ligne. Ok, Vanessa Dazon, si toutefois, on monde a besoin de livres qui n'ont pas de signature, est-ce que le cas contacte, est-ce que c'est pour les réseaux sociaux pour le contacte également? Ou bien un monde qui voulait, par exemple, venir. Ou organisons une signature dans l'église, dans la communauté, ou du bon. Pourquoi il y a l'école dans le moment, mais oui. Non, au monde qui voulait que vous venez faire votre signature en côté, comment vous contactez? Bon, il y a écrit sur Facebook, sur Messenger ou bien sur WhatsApp. De toute façon, le numéro est déjà dans l'affiche précommande. C'est sur 48 11 47 87. 48 11 47 87. Disponible en général à toute l'heure. Donc, n'importe où écrit, je réponds et puis je planifie. Pourquoi pas? D'accord, Vanessa, c'était un plaisir pour nous te recevoir aujourd'hui. Vanessa Dazon, qui est une collaboratrice à Tiquet. Vanessa Dazon, qui est à la fois les yeux et les oreilles de Tiquet. dans le monde évangélique en Haïti, c'est Vanessa qui dit nous tout ce qui a passé. Comment tel concert, comment tel spectacle, comment tel festival évangélique. Qui parle de tout artistes. Qui permettent de nous découvrir des talents qui gagnent dans le secteur. Vraiment, Vanessa, qui a fait un travail extraordinaire dans le milieu évangélique là, en Haïti et Libre aussi. Premier livre qui s'est Opération Rupture. Vanessa, un dernier mot avant la fin. Moi, je voulais remercier bon Dieu avant tout qui. Dans toutes circonstances dans la vie qui présente, alors c'est vrai que le livre là pas un livre évangélique, mais malgré tout, il permet que dans tout cheminement que moi encore que bon Dieu le ou mette dans tout détail dans la vie où il présent, il fait chemin envers. Et je veux remercier un entourage extraordinaire que j'ai, d'abord maman ma papa qui soutenir dans tout ça m'a fait et un groupe d'amis j'ai qui toujours là. Et deux médias que m'a collaboré avec eux, qui c'est Balistrade dont je suis la rédactrice en chef, et Ticket Magazine,
ticket qui vraiment me sauvé une ticket, me tellement content. Parce qu'en général, c'est la signature qui est là. Et puis ma photo. Tu vois, c'est ma photo. Je suis content. Donc, merci à Ticket. Merci à Balustrade. Merci à tout l'autre média qui t'a emboîté le pas. Merci à Cause Chrétien, qui c'est un média que je collaboré avec, mais malgré nous pas travailler ensemble encore, mais qui embrasse le projet. Merci à tout secteur évangélique là qui bon mon support extraordinaire dans le projet ça tout. Donc ça montre moi que le ou décider avancer, le ou décider font bagarre, ou je ne supporte des monde qui campent avec vous, qui c'est des monde extraordinaire. Donc merci à Belkis et merci à Ticket qui t'ai reçu forme je dis. Un plaisir Vanessa et n'a dit bye bye et merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Et m'a rappelé nous que 20 signatures opération rupture c'est pour jeudi 14 novembre dans Vivano à 3h après-midi et nous ca joindre Vanessa Dalzon tout sur Facebook Instagram pour nous commander livre par nous ou du moins au courant de date toute prochaine signature si nous rater première 20 signatures là. Bye bye, c'était moi même Belkis Gaspar qui t'a présenté l'émission ça. Invitez-moi, c'était Vanessa Dalzon. À la prochaine pour l'autre émission Ticket Magazine. M'a dit merci à l'équipe technique là qui composée de Abdon et de Gerdi. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Continuez à suivre Ticket sur Facebook, Instagram, Twitter et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Ticket Magazine.